Ça y est les amis. Dis donc, j'ai fait. Après 2 mois passés à Imouzer du Kandar, on doit bouger. On quitte la ville. Ouais, on avait devenu des sédentaires. On n'était plus des nomades. On était des nomades sédentaires, c'est vrai. 2 mois passés ici pour l'accueil, parce ouais. que la population est vraiment très gentille. Très tranquille, une belle calme, ville, on a aimé, très propre, très sportif. Très propre, enfin beaucoup de On a qualité, kiffé. très sécurisé. C'est d'ailleurs là le seul endroit qu'on a trouvé où laisser baraka, Ouais, quand on a dû sans s'absenter, crainte. sans craindre. Et bon, on va dire, C'est le on moment de n'a bouger. pas trouvé non plus ce qu'on voulait. Bah, on vous avait On vous avait dit dans une avoué dans une vidéo... vidéo. Elle est chouette cette petite maison. Elle est très belle. En plus, il y a de l'espace là-bas encore. Tu peux ouais, faire même les derrière. Douches, les trucs. Ou un truc comme ça même. Un truc comme ça, tu l'entretiens, tu le retapes. Ouais. Juste la maison comme ça et tout le terrain là. Ouais. Mais la maison, elle a besoin. La maison, elle a besoin de. Ben celle-là. Peinture, c'est tout. Ah non, c'est tout peinture, cassé. Peinture, fenêtre. Bah, t'as vu que les peintures. C'est tout cassé. Hein. Moi, le toit est en état. Fenêtre. Au moment où le je toit est en fenêtre, état. Dedans, tu vas l'habiller, c'est tout. Eh oui, des amis, ça mesure, ça mesure. Ah, vous savez ce que ça serait aussi notre rêve? C'est de trouver un endroit très sympa avec une petite maison dessus. Pour nous et puis après pour pouvoir ouvrir un petit camping nature pour vous accueillir. Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé malgré nos recherches intenses. Ouais. Mais il faut dire qu'ici c'est beaucoup des terrains immenses avec des hectares et des hectares, De mais pommiers. surtout voilà de fruitiers, c'est-à-dire d'exploitation agricole, pas un terrain pour faire ce qu'on voulait faire. Donc c'est difficile et beaucoup de terrains à vendre. Mais Beaucoup. aussi, là sur la route qu'on va prendre, on a trouvé qu'il y a un terrain. Alors, On va aller visiter aujourd'hui. Mais avant, il faut aller mettre l'eau alors et. voilà, on refait tout ce que nomade doit faire, Avant de bouger. vidanger, remplir l'eau. Et on vous expliquera aussi dans une future vidéo qu'on a fait des économies ici aussi. Ouais. Ouais. Donc, allez, c'est parti. On le dit, on prend la route. Alors, on laisse aussi notre petite Mimine. À ses habitudes, parce qu'elle a ses habitudes, elle n'a pas attendu après nous. On lui a apporté quelques petits câlins et un petit peu de chaleur. Mais voilà, Et nous apporter de la chaleur aussi. on la laisse à ses petites habitudes. Allez, c'est parti les amis, on va chercher l'eau. Elle est fraîche? Oui. Mais elle est pure celle-là. Ah oui. C'est l'eau directe de la source, les amis. Exact. Vous pouvez même la boire. Après l'eau, les amis. Eh oui. Le gasoil. Le gasoil. Allez, c'est parti. Regardez cette.
52. $16,52 les amis, ça baisse pas, au contraire ça a un peu remonté. Ouais, ça fait qu'augmenter. C'est une carte allemande. Bon, ben de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Ah, elle est qui est collée ici. Elle est qui est collée ici. Un petit coup de pression au pneu. Monsieur le mécano. Ah non, ça je suis encore nul, on le fait pas souvent. Il faut l'avouer. Hein. C'est vrai. Un petit tuto. As-tu besoin de moi? Non. Une petite réclamation? Bah, quand t'as un escargot devant toi, bah c'est ça. Je vous explique la situation, les amis. Alors, ce monsieur, je ne sais pas, est-ce qu'il transporte de l'électronique ou quoi? Il ne peut pas rouler vite. Nous avons un camion qui roule très doucement devant nous. 10 à l'heure. Seulement, c'est une voie, vous pouvez le constater, ou ici, c'est ligne blanche. Alors pour certains, ça ne les gêne pas et double voie autorisée de l'autre côté. Et il n'arrête pas de freiner. Alors pour certains, ici, ça ne les gêne pas de doubler, de franchir la ligne blanche et de doubler sur l'autre côté. Pour nous, on ne fait pas ça. Alors je ne sais pas s'ils croyaient que nous, on allait le passer, mais on attend. Voilà. La petite... Mais quand même s'ils transportent de l'explosif, ils repassent à une valeur. Non, mais ils ne transportent pas de l'explosif. Peut-être bien des animaux. Mais je ne sais pas. Bon, allez. De toute façon, on a le temps. Pour ça, moi, je dis des routes, il faut qu'il y ait le panneau d'interdit de rouler, obligation de rouler plus que 30 ou plus que 20. Parce que des fois, ils te font chier. Mais ça existe. Parce que là, j'ai une ligne derrière. Ça m'étonne, personne n'a doublé. Hein. Bah, elles savent qu'il y a la police. C'est ça. Et que la police a de la visibilité, c'est des fois de loin. Ça se... Donc, tout le monde reste bien tranquille. Il y a une trentaine de voitures derrière, une vingtaine minimum. Alors, on va au rendez-vous, les amis. Voir le terrain. Et l'indication que nous avons, c'est un grand arbre au bord de la route. Sauf que là, c'est plein d'arbres, plein d'arbres. Monsieur, il m'a dit qu'est-ce que nous avons là. Alors, on va voir si on trouve le monsieur. Allez. Parquet, nous rayons, nous allons, ta
Alors les amis, il y a déjà un petit problème. Il n'y a pas d'accès pour les véhicules. Il n'y a pas de route. Alors on va voir. Et le coin des canapés. La possibilité d'agrandir sur le toit. Ouais, tu peux faire plein d'idées. C'est intéressant. Alors, juste l'inconvénient de l'électricité. Là où il n'y a pas de pompe, tu peux envoyer la pompe et tu peux faire la pompe et faire tout avec des panneaux solaires. Il y a un puits qui est plein. Mon problème, c'est l'électricité là. Et l'accès. Il y a un monsieur qui demande l'accès des voitures. Il y a un douar là haut aussi. Alors on va voir là s'il y a la possibilité qu'on peut s'arranger pour faire un petit pis. Bah juste dans l'idée qu'on prend.
Hein? Le problème, la route est acquis. Le terrain est acquis. C'est ça. C'est ça qu'il faut savoir. Si tu veux un accès, parce que. Ça a l'air très bien parce que quand il neige, tu as la vue sur la neige sur les montagnes, mais toi, tu n'as pas de neige. Ouais. Et il neige jamais ici. Mais là. Une bonne température là. On a quitté Mouzer, Osaka, ici, il fait beau. Ouais. Pas loin de Fès, on n'est pas loin du Mouzer, pas loin de Sotro. C'est une région touristique hein, de toute façon. Il y a des maisons troglodytes à 4 km. Il y a des randonnées, beaucoup de circuits de randonnée. Ouais, exact. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est là, c'est l'accès. C'est l'accès, c'est l'électricité aussi. À qui est l'accès? L'accès, l'électricité. Bah, ils sont en train de faire les travaux d'électricité selon ce qu'il dit. Il vient de la ramener là. Elles sont en train de s'arranger pour voir pour l'électricité. Et les hangars, c'est là où ça envoie l'eau. Ah, d'accord. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Hein, tout le monde envoie faire. Bah, c'est, tu sais, c'est devenu. Tu peux pas avoir des hangars là, de la ville qui vient jusque là. Tu peux pas, c'est impossible. D'avoir. Des canalisations de la ville. Mais tu sais, nous, il y a des endroits, nous, quand on avait construit à l'époque, c'est ce que je t'ai dit, c'était interdit. Et maintenant, ils se rebasent aussi un peu sur ça. Donc, tu fais ton évacuation là, quoi. Parce que là, tu peux pas y passer. Tu peux non. T'arranger à faire là, parce que là, c'est pas dur, il n'y a qu'un arbre. Il y a une deuxième là-bas. Et là. Là, c'était dans le terrain de quelqu'un. Et c'est ça. À qui est le terrain? Est-ce que c'est comme chez nous, il y a des droits de passage? Pas de droits de passage? Une petite voiture, tu arrives à te débrouiller, à la rapprocher, c'est un 4x4. Oui, mais regarde là, les branches. Bon, les amis, on vous fait participer à nos réflexions. C'est ça. On va y aller, on réfléchira, on appelle des gens dessus, on voit voilà. Les propositions. Les propositions, voilà, qu'est-ce qui peut être fait. Ouais, les prix aussi selon le budget. Ouais. Il y a plein de choses à voir. Et puis on a quand même c'est vu. Moi c'est ce que je voulais, au minimum à 500 mètres de la route. Comme ça, tu n'entends pas les voitures là-bas. On en a quand même vu aussi pas mal de terrain. Là. Autant à Imouzer, il n'y en avait pas. Mais ici, autant là, tout le long de la route, on a vu des emplacements à louer ou à... On réfléchit. Alors, est-ce peut-être que là... Peut-être qu'on va revenir à faire un réflexe. Est-ce que là, du coup, ça marque que c'est à non, quelqu'un... Non, c'est là-bas le territoire. Ah, c'est là-bas, l'autre maison, c'est là-bas. Non. D'accord. Mais c'est une région, on disait, très agricole quand même. Hein. Ouais, la terre, elle est bonne. Il y a la terre, on voit les ânes. La paille qui monte toute seule, hein. On voit les ânes, on voit les vaches, il y a beaucoup de champs d'oliviers, c'est très agricole. Un autre problème, et voilà sur quoi on débouche. Bon, tu disais au pire des cas. Je dis au pire des cas pour l'électricité, tu t'arranges, tu fais des panneaux, tu fais des idées. Mais pour la route, tu peux pas avoir des idées, quoi. Tu peux pas faire. Non, pour la route, tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, tu peux pas faire autrement. Ouais. Je disais que quand tu fais un emplacement, oui. Moi je vois plutôt le véhicule sur du gravier et des choses du comme gravier, ça, oui. Et une dalle pour que les gens puissent se poser. Oui, si on veut faire comme ça. Mais moi, je réfléchis juste, si on veut faire du gravier, je t'ai dit, il faut tasser la terre pour que le gravier, il ne part pas. Quoi. De toute façon, le gravier, tu vas le changer une fois par an, un truc tu vas en mettre. C'est un investissement qu'il faut y mettre. Mais je ne sais pas comment on va pour avoir ce espace pour le passage des voitures, comme on a dit. Ça, si tu peux faire, par exemple, les toilettes, les lavabos et sanitaire. Tout ça. Ouais. Parce que la pompe, il faut savoir, il faut un réservoir. Hein. Tu vas pas à chaque fois, au bout de la pompe de pluie. Tu fais comment à la campagne? Réservoir. Et là, tu laisses un petit espace de puits. Est-ce que le puits est là? Madame Yasmine, c'est ça. C'est ça.
maintenant la caméra, attendez, on parle de quoi. Faut qu'ils soient avec nous. T'as pas 300 mètres. Putain, je vais pas parler d'hôtel, moi. On en a 174 mètres. Allez, 200 mètres. 180 mètres. Jusque ouais, la porte, on a 180 mètres. Alors les amis, c'est là le terrain. Je vais vous montrer le terrain où on était hier. Donc j'ajoute ça pour vous dire. Le terrain, il commence là. Attends. Là. Je sais que ça va, là, mais ça fait contre-jour. Là, là, là. Bon. Là, jusque là. Le terrain, il fait à peu près 1890 mètres carrés. Si on bouge celle-là, là. À 1890. Ouais. Avec. Avec la maison en bas. Ouais. On a un puits là. Je sais pas si ça va se voir. On a un puits là. La porte, elle est là. Oh, il y a du soleil. Voilà. Et nous, le problème là, c'est cette route. Pour y arriver à la route là. C'est là, il n'y a pas de route. On devrait appeler le propriétaire pour voir est-ce qu'il y a la possibilité de faire une route. Et pour voir pour les tarifs et tout. Sinon, on avait vu sur la route des terrains. On va en revenir après, dans un autre jour, pour prendre les numéros et contacter les gens. Alors, vous aurez bien compris que le but, c'est de faire un petit camping. Oui, un petit camping nature. Pour vous recevoir. Oui. Oui. Dans cette région qu'on a bien aimée, qu'elle est très belle. Alors, et là, oui. On a dit, on n'est pas... Désolé, je te coupe, vas-y. Non, non, on est... On a baissé un petit peu en altitude, on est en dessous de 1000 mètres, on est à 900 et quelques mètres. Mais on a l'avantage qu'il ne neige pas du tout. C'est ça, parce que vous l'avez vu, c'est des champs d'oliviers, donc qui dit olivier dit pas de neige. Pas de neige en principe. Ouais. Par contre, là, la maison, elle a une vue sur l'arrière, sur les montagnes d'Imouzer quand elles sont enneigées. C'est ouais. La vue sur les montagnes enneigées et après vous l'avez après, vu. Après t'as vu sur le massif. Après. C'est le massif et les plaines, les champs d'oliviers quoi. Donc. On a bien aimé, mais le plus grand problème, on a dit on peut fermer les yeux sur tous les trucs, mais le plus grand problème c'est la route. Ouais. Parce qu'on peut pas y accéder avec la voiture au terrain. Oui, le monsieur nous a dit ben garde-toi chez moi, mais non. Non, nous on veut arriver quoi. Ouais. Et puis, bon, désolé, mais pas nous dire oui, mais c'est en cours. Parce qu'il nous dit que la route va passer. Oui, mais quand? Pas Inch'Allah dans des problème. Années, quoi, c'est ça. C'est pas notre but. Donc, mais on va continuer. On continuera à chercher. On va continuer à chercher. On verra. Allez. Je vais enregistrer la position. On va téléphoner. الو السلام عليكم وعليكم السلام انا خويا اللي عيطت لك البارح على ود باش نشوف ديك الارض مزيان لعقلتي عليه راني مشيت البارح عند السيد راني شفتها وبغيت نسولك خويا واش شحال ثمن الكرة وي ما كان بغيت نبيع فاش كنت هضرت معاك في فيسبوك قلت لك واش كرا وبيع قلتي لي اه شحال الثمن ديال البيع راه قلت لك حيت نورمالمون فيها 1900 ماشي 2300 واخا خويا انا ما نكذبكش جي اون ا بارلي سور فيسبوك اي جتي دي است كو تو فو لوي اي فوندر او ان دي دو ما دي وي لي دو هي مي دي جوست جي مال كومبري دونك اي لي ميكنيس اي لي با لا ايل فو كو فوندر Le terrain, elle me dit, mais le terrain, il dépasse le gris, c'est jusqu'au WED. Moi, j'ai dit, j'achète le terrain, je vais en profiter, moi, je m'en fous du WED, quoi. C'est que 1900 à la place de 2300.
Et le prix, c'est ce qu'il marque sur le site. Non. La route, elle n'est pas capable de me dire qui est le propriétaire. Elle me dit, regarde avec le monsieur qui t'a fait visiter. C'est... Non. Même si on a aimé la maison, on a aimé c'est le terrain. C'est pas fiable. Mais c'est pas fiable. Quand un propriétaire, elle te dit, je ne sais pas le terrain à côté, est-ce que ça passera la route ou pas. Elle me dit, ça va passer, ça va s'arranger, mais regarde avec le truc, avec le monsieur qui t'a fait visiter. Le monsieur qui m'a fait visiter, lui, il sait rien. Bah oui. Donc. Allez. Allez. On passe à autre chose. On continue de chercher. Oui, on vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'est pas une déception, on est bien, hein, on est bien, mais on vous dit dans la... S'il y a des nouveautés, on partagera avec vous. De toute façon, on va y aller chercher d'autres terrains et on partagera avec vous dans les prochaines vidéos. Allez les amis, on vous aime. Ah, c'est là que ça finit? Oui. Bon, bah alors si c'est là que ça finit, on vous dit qu'on vous aime. Et on vous kiffe. On vous kiffe. Et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, on ne va pas toujours vous le dire, hein, vous savez maintenant. Bisous, bisous. Allez, je vais passer au montage pour que vous aurez la vidéo. Coucou les amis. Coucou. Devinez pourquoi on se prépare. Si je vous dis... Popcorn. Popcorn. Mais pas un film. Si on vous dit... PC. Oh. Attends, je trouve un lecteur plus... Ouais. Eh oui, c'est la France qui joue ce soir. Alors, on va les supporter. En fait, on a voulu chercher, trouver des maillots, mais on n'a rien trouvé. Même pas les maillots marocains. Alors, vous dire les maillots français, on n'a pas trouvé. Pas ici, pas dans la ville à Limousin. Donc, voilà, c'est tranquille. Popcorn, on éteint et on regarde le match. Et que le meilleur gagne. C'est ça. Tu fais quoi? Tu lui fais la rediffusion? Je vous fais une rediffusion. C'est la fin du match, les amis. Mais tellement ça caille, moi j'ai monté au lit déjà. Il y en a qui n'ont pas traîné. Hein. Mais bravo les bleus. Bon, bravo les bleus. Ils ont gagné. Bon, moi, ça va pas changer ma vie, mais c'est bien. L'aventure continue pour les bleus. Et ben, on va se mettre vite sous la couette parce qu'il fait froid. Ah, ça caille. Et ce sera rendez-vous pour demain puisque le Maroc joue demain. Allez, bonne nuit les amis. Et comment tu nous dis déjà? À la seconde d'après, parce qu'après c'est la seconde d'après. Oui. Bah mais ça c'est lui qui sait le dire, c'est pas moi. C'est demain qui est le second d'après pour vous, mais demain pour nous. Allez, à demain. Bonne nuit les amis. Faites des beaux rêves. Et bonjour les amis. Coucou. Un réveil un petit peu... Frisqué. Frisqué, non, beaucoup frisqué, un peu tardif. Mais ça va, on s'habitue quand même. Il fait, on a dit... 5 pour se réveiller, là il fait 8. 8 dans la baraka, mais le soleil brille. Et on va faire notre petit-déj. On va faire le petit-déj. Bon. Et après... Il y aura le match. Il y aura le match. Le Maroc contre la Croatie. Ah, dur, on vient d'en parler parce qu'il m'a expliqué. Et ouais. Bon. On verra. On verra. On verra. Le Maroc nous a déjà surpris. Hein. Déjà à la dernière Coupe du Monde, ils avaient bien joué. Donc, allez, on verra ça. Ça y est. Ça va commencer. C'est parti. Ouais. Comme on dit toujours, que le meilleur gagne. Que le Maroc gagne. Chauvin. Ah oui. On verra. Allez, rendez-vous allez. Après le match. C'est ça. Alors, verdict de ce match. Bah, match nul, c'est bien, ça va, c'est top. 0-0. Oui. Ils se sont bien défendus. Ouais, ils ont bien joué. C'est nickel. Bon, le prochain, c'est quand pour toi? Le prochain, c'est le Belgique le dimanche. Et le prochain pour la France, c'est Danemark, je pense, samedi. Attends, je vais voir. Pour la France, c'est France VS. Attends.
Prochain match, c'est le samedi pour la France contre Danemark et le Maroc, c'est le dimanche contre Belgique. Bon, alors. On a 4 jours de repos. Ouais, c'est vrai, nous, on est très fatigués. Hein. Ouais, on a on trop est joué. Très, très fatigués. يمكن غدوة ميت ميت.